Le mobilier à 35 ans, la mesure à 1m75. Il pèse souvent 35,5 kg, il est lumière, il semble avoir les cochers pensés, chapeaux. Et il s'agit d'un affiché en 73, voilà, 65 ans, on est en train de faire des champions, championnat. Merci de faire du bruit pour Edouard Bernanoux. Au point bleu, il est au point bleu, il vient de finir la 115, 27 ans. Hier soir, au casino arrière, il pesait 67,7 kg. Il est utile d'été. Son coach, José Manuel Garcia, PB, 43 combats, 36 victoires, 1000 par KO. Allez, c'est la finale de ce tournoi des moins de 67,5 kg. C'est assez. Ah, j'ai envie de dire attendu. On est un peu dans la logique, hein. Je veux dire, ce sont les deux plus expérimentés. Edouard Bernanoux est le plus expérimenté du tournoi. Et face à lui, il a le détenteur de la ceinture de ce Kickstart Tournament. Edouard Bernanoux a bluffé, a impressionné en demi-finale. Dur au mal, dur dans les échanges, physiquement très près. Bon, ça, c'est sa marque de fabrique. Et là où il est surprenant, c'est qu'il n'est pas à son poids habituel. Il se teste à 67 kilos. Et vu ce qu'il a affiché, je pense qu'il va vite faire le ménage. Allez, c'est parti dans cette première reprise. Il faut bien bloquer. On l'a vu, un blocage dur peut vous faire basculer un match. Del Prado le sait, hein, que dans le registre du dur, ce sera compliqué d'aller face à Edouard Bernanoux. Ah, il est plus en difficulté, hein, Eduardo Del Prado, dans ce combat. Ah, ça va être dur, hein, pour l'Espagnol. On le voit, il y a un gros hématome sur le tibia. La jambe droite. Oh, cette discipline avec Cyril Chantreau dans le coin. Il demande, il exécute. Et voilà. Ça, c'est timing parfait. Allez, c'est la fin de la première reprise, rondement mené. Ah, on voit, les appuis sont raides, hein, du côté espagnol. C'est à la différence d'Edouard Bernanoux qui est bien. Tranquille,
serein. Soyez en urine, merci. Allez, c'est la deuxième reprise. Il évite de s'exposer l'Espagnol, donc il casse la distance, il rentre avec le genou. C'est dur, il a du mal, Eduardo Del Prado. Et il a son public, Edouard. Public qui s'est déplacé. Ah, il fait front, Eduardo Del Prado. Hein. On s'y attendait un petit peu. C'est un boxeur courageux, vaillant. Ah, ce qui est incroyable, c'est... Malgré cette demi-finale de Titan, il est présent, il est d'une lucidité folle, Edouard Barnadou. Allez, il reste 10 secondes dans cette deuxième reprise. Et c'est la fin. Fin de la deuxième reprise. Allez, il reste une reprise dans cette Kicks Night, 14e du nom. Sûrement. Allez, 3 minutes dans cette finale du Kicks Night Tournament. C'est le dernier round du dernier combat de la dernière Kicks Night de l'année 2022. Vous avez compris, la 15e, elle se prépare déjà. Allez, faites du bruit, messieurs, dames. Ne vous endormez pas, vous allez voir. Allez, tous ensemble, tous ensemble, tous. Allez. Allez, je pense qu'il doit rester dans le même registre. Edouard Barnadou. Marquer des points, se lâcher un peu. Ah, il mouline, hein, là c'est de l'intox hein, ce que fait. Il serre les dents. Del Prado. Voilà.
Ah, il y a un travail sur la jambe avant à faire. Hein. Un peu de fatigue hein, chez Edouard Bernadou en cette fin de combat. Il a raison, il faut le presser, il ne faut pas s'exposer aux frappes. Ah, il faut gérer maintenant avec la fatigue, avec la réaction d'Eduardo Del Prado. Bien bloqué, et on le sait, un bloqueur fait mal, un bon blocage. Ah, il finit mieux, hein. Il est mieux dans cette troisième reprise, Eduardo Del Prado. Finir mieux, ça c'est quand même un grand mot. Et c'est la fin du combat. Merci à tous, on va bien soyez prudents. Bravo Caroline.